Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme prévu, je dis à et c'est deuxième émission Image qui est rentrée la caillou dans cadre émission ça que nous portons pour vous, santé mentale au temps de la COVID-19. Je dis à comme prévu, nous allons présenter au confinement et santé mentale et serviteur ou c'est docteur Marie-Ange Jean-Fils, médecin psychiatre qui c'est un spécialiste dans prise en charge de la douleur. Nous connaissons avant de commencer, nous toujours posons quelques petites questions. D'un coup, qui ça qui confinement? Est-ce que vous connaissez qui ça qui confinement, qui c'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui, jeudi? Mais hier, nous avons parlé de la santé mentale. Est-ce que vous-même qui faites retrouver nous aujourd'hui, jeudi, est-ce que vous connaissez qui ça qui santé, qui ça qui santé mentale? Est-ce que vous connaissez qui ça qui hygiène mentale? Ou bien est-ce que vous songez qui ça qui ont maladie mentale? Et hier, nous avons parlé de principaux spécialistes qui sont dans le domaine de santé mentale. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous songez? Et je dis, l'autre élément que nous allons ajouter pour vous, c'est comment gérer votre santé mentale. En guise d'introduction, concept de santé, nous utilisons le plus souvent pour quoi nous? Pour nous dire ma bonne santé, ma mauvaise santé, etc., tout dépend de gens santé. Eh bien, en référence à l'esprit, à mental, eh bien, nous utilisons le terme santé mentale. Et nous avons tout dit que nous nécessitons à la fois et santé physique et santé mentale pour que nous jouions de bonne santé. Et c'est ça qui fait que faut nous conscients que corps nous pas qu'à bien fonctionner sans que l'esprit nous pas équilibré et sain. D'après un pire dicton qui dit ça, il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Donc, c'est bien dans sa tête et dans sa peau. Faut nous bien et dans la tête, parce que nous avons un pire dicton haïtien qui dit ça. C'est tête qui mène le corps. Depuis tête pas coupée, ou espérer, mais chapeau. Donc, tout autant tête là, li bien, li en forme, et bien, ou capable d'arriver, dégager dans la vie quand même. Donc, pour que nous ayons une idée, combien li important dans la vie, nous, et bien, santé mentale. Confinement, c'est qui ça? Confinement vient de mot confiner. Mais il vient du latin qui, con, qui veut dire avec, et fini, qui veut dire limite. Donc, où a fonctionné avec limite? Donc, l'idée, c'est placer mon nom, c'est reléguer mon nom dans position, côté que mon nom, et bien, il y a peur, il est isolé. Mais qui pas confondre. Pour ne pas confondre avec isolement. Parce que l'on mette mon nom en isolement, vous mettez les noms quartier à part pour contre lui. Personne ne peut passer bon côté. Alors que confinement, mon nom est un peu isolé à part, oui, mais il est capable d'écarter de population. Donc, il demande le retrait en retrait, à quelque part de distance. Alors que l'isolement, il est totalement, mon nom peut passer bon côté, c'est pour mon venir bon côté, mon ça, mais c'est avec des précautions. Et avec des équipements, des vêtements, et pour que l'y approche bon monde ça. Faut nous faire différence ça entre confinement et isolement. Pour confinement lui-même, eh bien, ou mettez mon apport, ou est-ce que, eh bien, on est capable de confiner toute la population, eh bien, alors que isolement, eh bien, ou totalement retirer mon nom de population, de communauté. Donc, ceci dit, eh bien, confinement, c'est une expression, c'est un terme qui a été utilisé et avant pour les gens malades, dans le cas de maladie contagieuse. Exemple de coronavirus, qui c'est une maladie contagieuse, eh bien, donc, une pathologie virale, son virus, eh bien, monde ça y a, eh bien, ou confiner malade, ou mettre les à part, ou retirer de l'autre maladie pour ne pas contaminer. Aujourd'hui, eh bien, on a parlé de confiner toute la population. Nous, la France fait, l'Italie fait, les États-Unis, tout pays a confiné la population yo, pour qu'ils sachent pour éviter que la population tombe malade. Ça que nous, malheureusement, malgré le confinement, eh bien, ça n'a pas empêché que les gens yo tombent malades. Peut-être qu'ils savent parce que ce n'est pas l'isolement qui est important, mais c'est le confinement. Assez souvent, nous confondons l'isolement. Isoler, yo met tout à part, c'est ça nous fait avec malade. Les malades allaient infecter à coronavirus, mais yo isolé, yo mettez les à part de population. Pendant que yo confine les populations, ils respectent
quelque part de distance à part, rete à part de l'autre monde qui n'a environnement, qui n'a entourage. Nous rappelons que nous te parlons de la santé. Que nous te disons la santé, son état de complet bien-être, aux besoins physiques, aux besoins mentaux, aux besoins environnement côté que vous vivez, et aux besoins foi, la spiritualité pour que vous avancez. Que vous soyez athée, c'est ou pas quoi non, un être suprême. C'est bien à vous comment vous sentez bien pendant que vous êtes athée et comment que vous sentez si que ou pas athée dans la religion que vous appartenez. Comment ça permet d'évoluer dans l'environnement, dans la société, dans le travail. Comment est-ce qu'on mange adéquatement? Est-ce qu'on fait des activités physiques? Est-ce qu'on a accès avec l'eau traitée? En matière de transport, nous, et la caille, nous commençons à y aller. La caille, en matière de transport, là, c'est horrible. Hein? Vous montez en camionnette, vous montez en bus, vous montez en taxi, vous montez sur route, chita sur route, la mando, pour qu'ils ne soient pas des machines pauvres, comme si machine pauvre là, eh bien, c'est un big deal. Ceci dit, il y a une bagaille que nous voulons, population, qu'on est, population haïtienne, c'est que machine de transport là, li important dans le cas de santé. Vous pensez combien de gens qui vont monter en transport en public et puis ça gâte toute journée. Que ce soit genre chauffeur, li parler avant, que ce soit genre yon passager bokoto, traité, que ce soit genre te mettre un bel tirage blanc, pantalon blanc, chemise sou, ou t'as pris l'autre côté, et puis moun nan salo, li gâche toute une journée. Nous même qui prenons l'enterrement, qui pas de machine, qui pas de corps pour que nous prenions moto. Pour que nous comprenions comment il est important, côté où vivre là, notre caille où vivre là, est-ce qu'il y a aéré, est-ce qu'il n'y a pas fait chaud, etc. Tout ça est important, mes amis, pour traduire santé mentale. D'accord? Pour santé mentale dans lui-même, nous voyons que ça, c'est harmonie qui gagne, c'est équilibre qui gagne dans les besoins, nous, qui ça nous besoin dans la vie, qui ça nous désirer, moi, qui ça me besoin, qui ça me désirer. Moi, désiré, on dit posséder et d'être capable de dire, moi, désiré posséder un DID, mais moi, posséder un HRV, un Honda Civic. Donc, désir, moi, c'est un DID, alors que besoin, dans le moment, c'est une petite machine pour que moi, fonctionner, aller dans la clinique, aller au patient, aller là, quand moi, aller à l'école, etc. Nous avons une aspiration qui s'accouvre, venir et dans le moment, une attitude qui affiche. Tout ça yo traduit comment santé mentale ou appuyer. Tout ça yo traduit qui rapport qu'on peut développer à condition que vous gagnez, opportunité que vous gagnez dans l'environnement externe. Et c'est ça qu'il faut prendre, eh bien, non, image ça que vous mettez à côté, vous ouais, mettez des grilles qui en dans le cerveau. Cap montrer fonctionnement et en même temps dehors gagner des roues qui montrent que cerveau connecté avec des roues qui externes qui dans l'environnement qui pral traduit fonctionnement quotidien. Notez par l'auto de l'autre bagaille qui c'est la santé confinement et santé mentale. Comment confinement est capable d'affecter santé mentale? Et mais confinement capable d'affecter santé mentale ou de plusieurs façons, mais nous allons parler de deux grandes catégories majoritairement. Du point de vue de santé mentale, elle est capable de provoquer des pathologies là-bas, des maladies telles que situation de stress. Ou une maladie qui stresse tout le temps, un problème de stress, en pile dans nous tout le temps, a fait référence à ça. Et que je me sens stressé, je me sens anxiété là-bas. Mais qui ça qui fait ça? C'est santé mentale. Situation que vous vivez là, mais il y a un impact sur santé mentale et qui pourrait le faire déboucher sur maladie mentale. C'est peut-être ça, il est important, oui, c'est ça que nous portons pour aujourd'hui, qui pourrait le permettre de gérer santé mentale pour éviter situation de stress, ou du moins pour gérer situation de stress, parce que nous connaissons bien pire situation dans la vie, nous ne pouvons pas éviter, vrai. Et qui pourrait le permettre de nous garder en bonne santé mentale. L'autre impact confinement gagné sur santé mentale, nous, lui favoriser la dépendance. Dépendance, non, ou encore appelée la toxicomanie. Nous-mêmes qui développons des comportements pendant la situation confinement, ça, qui a bu alcool tout le temps, qui a fumé, marijuana, cocaïne, etc.
Eh bien, substance ça qui a fait usage de yon, eh bien, yon pral affecter santé mentale. Et une fois yon affecté santé mentale, non, yon capable de déboucher sur des handicaps, handicap physique, handicap mental, etc. Il y en a qui capable faire accident, nous tomber dans un escalier, machine frapper nous, nous sommes nous tomber en bas, etc. Ceci dit, eh bien, confinement capable d'agir sur santé mentale au point qu'il fait nous développer des troubles psychiatriques. Des maladies mentales. Les maladies mentales, ça, que ce soit chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte et même chez les personnes âgées. Nous sommes tous capables de développer des maladies mentales. Pendant que nous sommes stables, un bien confinement vient agir sur la santé mentale, non, qui fait que nous développons des maladies mentales. Ceci dit, l'important, ça n'a pas là, pour nous prendre en charge et santé mentale, pas nous comme adultes, comme personnes âgées et santé mentale pas timonio. Parce que le confinement, ça, c'est un moment de stress lié pour timonio tout, qui n'est pas capable de rencontrer des amis à l'école, qui n'est pas capable de rencontrer des professeurs, qui, certaines fois, même nos mêmes parents, n'ont pas de numéro professeur, ou bien nous pas même d'accord avec les professeurs pour timonio. Tout ça, c'est capital. Il faut nous comprendre ça pour nous connaître comment nous pouvons aider timonio à gérer santé mentale. L'autre moyen que confinement a affecté santé mentale, nous, c'est à travers ça, les déterminants sociaux. Déterminants sociaux, c'est qui ça? C'est tout facteur qui est dans l'environnement, que nous avons vivre, qui est capable d'affecter santé nous. Et bien, dit les déterminer santé nous. Et bien, confinement, déterminants sociaux, ça, yo pral agir sous et créer ça, un gradient social. Gradient social, là, c'est l'écart qui gagne entre moi-même et vous-même. Distance ça qui gagne en matière d'accès à des séries de bagailles dans la vie, nous. Des séries d'éléments dans la société, hein, mais il y aurait le gradient social. Mais confinement ça avec coronavirus, lui augmenter gradient ça, lui fait écart en vie plus. Lui était comme ça, mais lui vient comme ça, lui vient comme ça, lui vient comme ça. Comment et pour qui ça? Gradient social, là, eh bien, gain ça nous relève inégalité de santé d'origine sociale. Moi-même qui, malheureuse, qui possède 5 gouttes, 10 gouttes, m'baga offrir le luxe, me lever la m'gon tête fait mal, m'guitare un docteur, un interniste, en même genre avec yon l'autre collègue qui lui-même gagnait 50 gouttes, 100 gouttes, 1000 gouttes. Eh bien, dans 1000 gouttes, ça, il est capable de retirer 50 gouttes. Nous connaissons pas comme ça, nous retirer effectivement. Mais c'est juste un exemple. Il est capable de retirer 50 gouttes pour le faire manger aujourd'hui. Hein? Il est capable d'économiser 200 gouttes. Et il est capable de retirer 100 gouttes pour qu'il y aille à la docteur sans problème. Et malgré ça, il était timoné, malgré le payer machine, etc., pour qu'il y aille à la docteur. Alors que, nous-mêmes qui va gagner des séries de moyens, mais ça va permettre nous de faire situation ça. Ne pas permettre nous offrir tête non de luxe, accéder à ça. Mais c'est même gentil, moyen d'action, c'est un élément qui pourra permettre nous gagner accès, gagner capacité pour que nous agissions. Et mes moyens d'action, une des choses qui pourra favoriser nous, eh bien, c'est agir en conséquence. Vous demandez de nous confiner, nous, une des choses que nous plein en pile dans nous dire que nous sommes malheureux, nous trop pauvres pour que nous arrêtions la caille. Peut-être que c'est parce que moyens économiques ne pas permettre nous prendre un genre de décision. Moyens d'action ne pas permettre nous prendre et utiliser barrières appropriées. Acheter un petit alcool et mettre tout le temps pour nous gagner dans la poche. Certaines fois, c'est des institutions qui sont obligées de mettre gros doum dehors et mettre leur passe au fond laver mes mains. Combien de machines qui mettent un bouquet de l'eau à côté pour chaque monde qui vient acheter dans la laver mes mains? Non, nous ne sommes pas capables. Donc, moyens nous limiter en matière d'accès hein, à différents points qui déterminent la santé nous, que nous avons moins affichés là. Okay? Différents points ça, yo, tels que hein, réseau de soutien social, monde nous gagne qui peut supporter nous, hein, revenu et statut social. Combien d'argent nous gagnons que nous sommes capables de confiner tête nous pour 2, 3, 4 mois? Qui plus est, nous avons l'État qui est capable d'offrir nous soutien adéquat économique que nous avons besoin. En matière de sexe, hein? Garçons avec filles, le confinement ne peut pas l'affecter nous-mêmes gens.
Environnement social, nous. Comment nous connecter avec l'environnement, nous, avec les gens qui nous entourage, nous. Exclusion sociale, est-ce que dans la société, est-ce que nous exclus ou bien nous acceptés? À quel niveau que nous acceptés? Okay? Tout ça est important. Et nous avons deux points à mettre là, qui c'est le travail versus le chômage. Qui accès que nous avons à travail? Nous déjà connaît avec et pays l'autre, 4 mois pays l'autre, nous sommes vivants en Haïti. Eh bien, combien de monde qui perd du travail? Yo? Et puis voilà, confinement, il vient augmenter ben, de chômage pendant que, en pile dans nous, nous venons toucher moins, nous ne sommes pas capables de travailler même gens. Sans compter nous confiner là, nous ne pas qu'à sortir pour nous faire petit temps, ça nous te compte perdu, monter machine, marcher, pour le temps nous arriver dans le travail, pour nous rencontrer l'autre monde que 4000 là, kay, nous. Et bien surtout, monde qui est célibataire qui vit pour Dieu, ou bien 4000 dans la canne avec télévision, si bien courant, ou bien laptop, ou, si bien courant, toujours bien change, et même téléphone, pour que vous distrayez. Donc, ceci dit, nous tous sommes déjà exclus dans la société. Nous tous pas pas vraiment qui accès à des éléments dans la société. Et même soutien social. Je ne dis pas, en pile dans nous, surtout en Haïti, nous tellement éclairés, nous ne pouvons pas supporter l'autre même genre encore. Nous avons accouché, mamie, papi, viennent supporter. Yon cousin, yon cousine, nous avons vivre qui pas trop de moyens, li a vivre la carou, li a do, ça vient faire que, mais on n'est pas obligé, bien, on servant. Mais je dis, c'est la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Famille, nous c'est maman, papa, petit, ni pas ma tante, cousin, cousine encore, nous prenons servant, et que nous prenons gérant, etc. Donc, victime de bien de situation, même là, nous avons victime de proche tout. De proche pas trop supporter même gens encore, de pas trop appuyer l'autre monde encore. Et ça, tout ça li important mes aïeux dans société en. Li important li capital comment nous a pas compris. Hygiène mentale. Hygiène mentale, eh bien nous te parlons de li, nous te dit mais qui ça? Mais c'est capacité que on gagne pour développer pour qu'elle l'offre de développer comportement ou qu'elle et ou propager, ou promouvoir des séries de comportements qui nécessaires. Comportement ça, on nécessaire. Des comportements pour afficher, pour qu'ajouter dans une bonne santé mentale. De comportement ça, aux compétences ça, aux sociales ça, comment entrer en relation avec l'environnement, avec l'autre, pour capable de gérer bonne santé mentale. Et bien, on monte camionnette là. L'autre, dans les guitants, jaillis ou, les guitants, jouer ou. Dieu des séries de mots, et mes capacités que vous gagnez pour garder sérénité. Pour répondre à mon ça, et pour les gens qui ont dit que vous voyez mon ça, tout est tête, et mes tout ça, c'est important, je ne vous dis pas, pour que vous souteniez une bonne santé mentale qui est efficace et qui est efficiente. Pour jouer de une bonne santé mentale, et mais qui nous connaît déjà, santé mentale, la hygiène mentale, liée étroitement liée à la santé mentale. Parce que normalement, hygiène mentale, ce n'est pas un concept nous habituons avec. Assez souvent, nous habituons avec mon hygiène. Non, artificiel, pas une hygiène. Pour nous propre côté que nous vivons, bureau, nous, la caille, nous, etc. Et bien, nous connaissons que pour nous propre quoi, nous, pour nous pas malade. Et bien, je ne veux dire, nous portons pour hygiène mentale, qui, c'est comportement qu'on peut développer, même genre comportement de, ou développer des comportements sains, d'hygiène, physique, pour baigner, laver cheveux, etc., pour pas malade. Et bien, c'est même genre tout, nous demandons de développer des comportements d'hygiène mentale, qui pourraient permettre de gérer une bonne santé mentale. Donc, hygiène mentale, là, comment qu'on peut l'atteindre? Eh bien, qui ça, il y a quelques petites stratégies, éléments qu'on doit suivre. C'est des stratégies de base au niveau mental et comportemental. Donc, façon de penser, façon où est la vie, façon de comporter au quotidien, chaque jour, eh bien, qui pourrait permettre de jouir de bonne santé mentale. Qui c'est qui ça? Premier bagage, c'est contact avec la réalité. Est-ce que vous êtes conscient de la réalité que vous vivez là? Comment vous êtes? Comment connecter avec la réalité ça? Comment entrer en relation avec la réalité ça? Tout ça est important. Le capital, je ne veux dire. OK? Parce que façon que vous êtes, façon que vous comprenez la réalité, façon que vous évaluez propre comportement, propre réaction, propre émotion, ou son monde qui est toujours émotif, qui est toujours excité, ta case brisée, capacité que vous gagnez pour entrer en relation avec l'autre monde, et bien le capital, je ne veux dire, pour parler de santé mentale. Deuxième bagaille bon pour contrôler, eh bien, c'est
impulsion. Ou dwe gon bon kontrol de impulsion. Ok? Donc, impulsion ou pa dwe anvanyen, eh bien, ou gitan eksite, ou gitan ta krasé, brisé. Ou gitan, ta pété plafond. Eh bien, l'important, eh bien, pour faire une évaluation personnelle de propre tête, eh bien, évaluation ça, eh bien, les capables positifs ou négatifs, évaluation qu'on gagne de propre tête. Si vous gagnez évaluation de manière positive, ou une évaluation positive de tête, eh bien, la créer un sentiment de confiance, la KO, et la créer une image positive de tête. Ou après tête ou bien, ou après tête ou de manière normale. Mais si que ou pas de contrôle d'impulsion, eh bien, on peut l'énerver, on peut le péter plafond tout le temps, et il n'est pas bon. Okay? Ou pas qu'à péter plafond, ou qu'il faut qu'on ait contrôle avant, on quitte à péter plafond, on quitte à exciter. Et assez souvent, les gens qui aiment exciter, assez souvent, ils disent, prends attention pour moi, parce qu'on se fait coller, on se jouer, non. Il faut qu'on ait contrôle. Attention, il faut tempo, j'en compte dire dans mon créole. OK? Troisième bagage ou de contrôler, c'est auto-estime. Comment ou est tête? L'image qu'on a de tête, le capital, le primordial. Ce n'est pas moi-même qui prends le fois qu'on a une belle image dans la société. C'est vous-même qui pour créer l'image de tête. C'est vous-même qui pour faciliter le monde, qui pour faire le monde web. C'est vous-même qui vous montrez mon comment vous voyez dans la société. Eh bien, comment vous êtes tête d'abord? Eh bien, c'est comme ça le monde peut le voir dans la société. L'autre jour, je suis passé dans Delma 33, je me regardais une femme de petite taille, eh bien, ça nous relève une tiracio, qui bien en forme, physiquement, gagne belle fesse, gagne sein, et puis cheveux, les jolis cheveux, et puis le conjoint font coupe dans la tête, il descend cheveux devant, et puis il rase tout en bas. Seulement problème, dame, n'a gagné, c'est qu'elle est de petite taille. Mais elle est superbe, bien campée, parce qu'elle va gagner. Et bien, il y a habillé un petit bout de pantalon. Il mettait, c'est un petit bout de jean, un petit tennis et conversion. Mais qui vraiment plat, chemise, dans pied. Il mettait un petit chemise, jean, avec un petit maillot en balle. Et puis, il marrait devant. Et puis, il a marché, mes amis. Et là, elle passait, mais tout le monde, il y a une bagaille qu'elle me fait, chaque fois qu'elle passait, m'a suivi, regarde mon yo. Il passait, bon, chauffeur moto, à virer, regardez. Et bon, backup police, backup la virer, regardez. Tout le monde, depuis ce côté, dame, n'a passé, tout le monde a virer, regardez, parce que dame n'a marché, mes aïeux, bon, confiance qui dégageait, pas caché de Dieu. Je dis, waouh! Je dis, si je suis bon côté, dame, ça me tapait, me font souffler, waouh! Pour le sentir que, bon, et pas moins de faire le sentir que le belle, parce que depuis que j'ai la marché, ou senti elle a dégagé. Bon, estime de soi qui dégagé, c'est pas parce que l'écoute là pour comprendre que qu'elle vient rabaisser pour faire le sentir la terre. Non, l'écoute, certes, mais elle pas à terre. Elle est en l'air, elle est là. OK? Donc, en façon pour dire nous que combien de gens ont été nos capitales, les importants. Et en dernier lieu, pensée positive. Comment que quelle qualité de pensée qu'on cultive? Eh bien, on pense un sentiment de pertinence personnelle, une image de soi qu'on gagne de tête ou à positive, eh bien, li essentiel. Image ça, n'a dit que li capable positive, li capable négative. Pense type de pensée ça qu'on gagne. Pensée ça, li capable positive, li capable négative. Eh bien, tout autant qu'on pense positive, eh bien, on cultiver des comportements, eh bien, qui sains. Parce que une pensée positive, et bien, il prend le bord, une qualité de santé mentale, côté que, ou pral, eh bien, il est toujours gay, en bonne santé, et heureuse. Mais alors que, là que, ou cultiver des pensées négatives, eh bien, ou bien tendance à malheureux, à triste, à penser mal, etc. Donc, en façon pour dire, nous, que l'important, le capital, mes amis, pour que nous cultivions des pensées positives. Mauvaise santé mentale, nous t'ai parlé de lui déjà, nous t'ai dit que c'est un monde qui n'a pas une qualité de santé positive, et monde ça dit que ouais, c'est un monde qui toujours gagne des comportements, attitudes négatives envers propre tête, parler envers les autres, c'est un monde qui a besoin d'aide, c'est un monde qui a besoin d'accompagnement. Mes amis, accompagnez monde ça, parce que monde ça, là, il a crié à l'aide, parce qu'il n'est pas qu'on rend compte,
On se connaît qu'il y a des gens qui ont des comportements, qui sont toujours excités, toujours en colère entre autres, et sont capables de finir par affecter la santé mentale. Donc, si vous n'avez pas fini en aide, mais il a fini par affecter à la longue. Parce que la santé mentale, c'est une bagarre qui a un grand impact, nous avons vu ça déjà dans les statistiques, sur la question économique, famille, sur la question économie PIA, sur la question santé pour et santé par monde. Parce que santé pour, certaines fois, passer à travers santé l'autre qui est dans l'entourage. Maladie mentale, là, nous te voyons que maladie mentale, là, eh bien, c'est un terme large, côté que il y a des troubles de comportement, ou des problèmes de comportement, ou des mauvaises perceptions de tête, ou tête ou mal, ou pas ou des gens qui n'ont pas l'entourage bien, ou des émotions qui traversent ou qui pas bien, d'un moment où fait font mon nous t'as content ou très soit crié, d'un moment où fait mario t'as lui content, tant qu'on nous met ton code dans le collier, okay? Ou bien des pensées négatives de propre tête ou bien des attitudes qui inadéquates, eh bien, dès que vous faites face à ce genre de comportement, ça y est, eh bien, vous supposez faire un ajustement. Okay? Sinon, eh bien, vous avez un problème. Parce que dès que vous voyez que vous avez une situation côté que vous dérangez par propre comportement ou bien entourage dérangé par comportement, vous mettez commencer à questionner tête. Mais assez souvent, ça nous prend le jour. Eh bien, malheureusement, les gens qui ont une maladie mentale là n'est pas conscient du problème. Il y a un qui est conscient, mais il y a un qui est inconscient. Pour plus que nous sommes capables de les maladies mentales, troubles mentaux, maladies du cerveau, etc., eh bien, il a toujours été un problème qui altère le comportement, pensée, etc. Parce que maladie du cerveau est très large. Il y a une neurologie qui est très connexe avec nous, qui occupe du cerveau à tout, qui eux-mêmes, eh bien, occupé des maladies du cerveau, côté que même c'est des maladies organiques, c'est cerveau, c'est organes là même, qui aurait le cerveau qui gagne problème, eh bien, c'est là pour qu'il y ait l'agir, tel que un monde qui gagne, il y a un traumatisme crânien, il y a un monde qui gagne sclérose en plaques, etc., entre autres, eh bien, c'est des pathologies, des maladies neurologiques qui ont eh bien, au besoin de neurologue, bien qu'ils aient développé des troubles mentaux, tout, eh bien, ils ont besoin de psychiatres et neurologue. Là, modèle ça nous t'ai montré hier, côté que nous t'ai parlé de santé, hein, qui santé à lui-même c'est en bas, en l'air nous au top nous gagnons la santé et en bas nous gagnons maladie mentale que nous fait face et nous-mêmes nous devons chercher l'équilibre. Nous là, nous sommes en bas, ça me dit nous le juste milieu, mais là pour un carré ça de santé élevée et d'absence de troubles mentaux. Ou bien, il n'y a pas de maladie mentale, mais on pas de bonne santé mentale. Par exemple, là, on a notre cas de ça, notre cas à droite qui est en bas, eh bien, nous, que nous avons dit que, moun sa, c'est des gens qui ont une santé mentale qui est faible, pendant qu'ils n'ont pas de maladie mentale. Et nous, on est tout dans bon ça en l'air, et cas en l'air, et à gauche, nous, on est un monde capable de gagner un problème mental, et une bonne santé mentale, une santé mentale qui est élevée, parce que maladie mentale n'a pas une fatalité pour lui. La ville pas finie parce qu'il y a une maladie mentale là, il a géré santé mentale li, et il a géré un problème mental que il gagne en tout. OK? Là noté ouais, donc la plus en grand plan parce que dans l'autre image que nous pas trouvé plus bien, nous est là, il est possible pour que vous ayez un sentiment de bien-être malgré qu'on ait un problème mental, ça c'est bord de et maladie mentale de ce côté. Absence de maladie mentale de ce côté, santé optimale au top, et puis mauvaise santé mentale en bas. Et bien, ouais, là, dans le carré, ça, eh bien, vous êtes capable de sentir un bien-être pendant que vous avez un problème mental, tout comme vous êtes capable de pas avoir un problème mental, et bien, vous avez un mal-être. Ceci dit, à tort, vous avez une équipe, nous avons toujours dit, ah, tel, tel, tu n'es pas foutu, toi. Et bien, vous êtes capable, pourquoi vous avez une maladie mentale? Mais les gens mauvais santé mentale, eh bien, c'est sonnette d'alarme pour que nous commençons à prendre ça en charge parce qu'il y a des problèmes qui commencent à venir souterrain. OK? Ceci dit, qui ça, il y a des signes qui disent que vous faites face à une mauvaise santé mentale. Le principal comportement, ça y est, qui indique une mauvaise santé mentale, eh bien, c'est ça. Il y a des gens qui ont une mauvaise routine. Vous levez, et c'est le jour qu'on est. C'est le lever dans le jour qu'on est qui sont prêts à le faire. Et même une routine à l'aveuglette, au hasard, qui est désorganisée. Non. J'en prends dire, mais c'est la veille faite pour qu'on s'y fasse prêts à le faire. C'est avant de dormir pour manger cabane. C'est avant le jour arriver pour planifier le jour.
Ou pas casser les jours arrivés, c'est les savoir qu'on est qui ça va devenir. Non, il n'est pas bon pour vous. On montre qu'il aime faire colère tout le temps. Il y a des gens qui ont un comportement irritant. Avant rien, eh bien, il y a des gens qui ont irrité, qui ont nerveux, qui ont fort, qui ont sorti hors de vous. Eh bien, ça, ce n'est pas un monde qui est bon pour la santé mentale. Changer réseau, j'en ai dit, changer de réseau social, okay, qui est très bon, changer réseau. Ce n'est pas réseau à savoir. Hein, Internet, j'en ai regardé, c'est plutôt réseau social, contact, environnement. Il y a des gens qui aiment faire colère tout le temps, qui sont toujours agressifs, qui sont toujours sous bataille, sous goumé. Il y a des gens qui sont toujours agités, parlant pile, excités. Ou bien, les gens qui ne pas trop appétit, ils ne pas trop manger, entre autres. Tout ça, c'est des signes indicateurs de mauvaise santé mentale. Il y a l'autre signe de mauvaise santé mentale toujours. Okay? Il y a des gens qui ont un mauvais patron de sommeil. Moun nan pa li dormi trop, li gwen hypersomni ou bien pa trop dormi, insomni. Moun nan gen sa ke konnen li lan narkolepsi. Se den moun nan, nou wè ke Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, se ti komik sa nan Disney ki tout an dormi. Wè ou rive el konye al tombe el dormi. Konye al gen dan rive, li pale, e bi apre sa, li retourne anko. Se sa wè li la narkolepsi. La narkolepsi, men moun nan gwen somme an ekse. Il y a des gens qui ont mauvaise relation interpersonnelle. Ou pas quand on réseau, c'est ou là dans point intérêt. C'est parce que un tel, c'est lui-même qui a bon corps, etc. Assez souvent, réseau, ça n'est pas réseau adéquat pour nous appartenir. Faut nous gérer ça. OK? Faut nous faire retrait. Les gens qui aiment avant et ont dans la relation, ça a changé. Les gens ont changé de relation comme ils ont changé de chemise. Non. Ce n'est pas radio et mesurer. Ou qui tente gen rad sa jodi a de moun goun l'autre rad. Non, li pap bon pou. Parce que ça son signe de mauvaise santé mentale ou instable. Ok? Li pas bon pour nous, mes aïe, pour nous changer de relation tout le temps. Nous songe que m'te montre notre image sa hier. Côté que nous te dit que moun qui gen baisse d'estime de soi, li pas bon pour santé. Moun qui victime d'abus, moun qui gen des pathologies, donc, et organiques, telles que diabète, sclérose en plaque, cancer, pour nous citer seulement ça. Moun ka fè usage de substans, de drogue, marijuana, tine, etc. Moun ka viv nan la rue. Donc, imagine nous, mes aïeux. Quand on a parlé de confinement, pensez avec moun qui malade mental qui nan la rue. Pensez avec moun qui et les enfants de rue. Si moun sa qui a viv nan la rue, qui pa gen parents pour penser à bien-être. Pendant qu'on a parlé de coronavirus, nous peur pour que pa gen un pic en Haïti. Comment faire pa gen pic? Parce que l'on prend quantité de monde, quel que soit dans la ville, quel que soit dans la rue, qu'on passe, gen un malade mental, kap dormi dans le coin. Ou bien, bon, ti moun ki nan la ri. L'on prend ensemble ça, y a pas mille moun seulement. Mais on dit si y a mille moun. Nous déjà gen mille moun, qui pa ka prendre précaution pour y protéger. De toutes les façons, nous pa ka étonner que si en Haïti gen 600 moun kounye. Et 600 moun, nous voyons que c'est 600 moun. C'est pas 600 moun qui vivent dans la rue. C'est 600 moun qui travaillent dans le dîner par, dans télé radio, télé Guinée, à droite, à gauche, dans la police. Et imaginez, nous ne pas faire test pour moun qui vivent dans la rue, non? Nous ne pas faire test pour enfants de rue, non? On imagine, nous, si nous avons descendu dans la psychiatrie, l'autre côté, nous avons fait test pour moun. Et nous voyons une histoire familiale déjà qui était capable de faciliter. Et bien, les gens qui développent des maladies mentales, et bien, le confinement pour fragiliser tout le monde. Des garçons, des femmes, etc., qui étaient déjà fragiles, qui étaient déjà utilisés certains médicaments pour décider de leur maladie, nous avons facilement des comorbidités en matière de maladies mentales, et bien, tout le monde est capable de développer des problèmes mentaux. OK? Ceci dit, et bien, gagner des symptômes qui dit les copres ou fait face à une maladie mentale. Des fois mon a plein li dit que et li pas ka manger, li pas ka dormir. Ou bien dormi trop, li manger trop. Ouais mon ça, et bien mon ni terrain mais le terrain environnement yo, li commence à éloigner de yo. Des activités que le terrain men, li pa ba rien pour yo, ou bien pas joine, li pas joine énergie pour l'an activité ça encore. Mon ça ouel commence à dou, li pas gagner énergie. Ouais, mon nan triste tout le temps, mon nan senti le vide, mon nan senti li a plat, li pas senti que le remè en yen ni que yon remè. Mon nan senti des douleurs dans quoi l'inexpliqué. Pour plus que le prend yon antalgique, yon médicament pour douleur, deux médicaments ça passe douleur à 30%, li still senti douleur à la caille.
Moun sa senti li impuissant, li senti ke li désespéré hein, face à la situation que la vive là, li pa wè en haut, pa wè en bas. Et bien, depuis moun a fait face à genre de situation ça, et bien, moun sa a fait face à ça que nous relé, et bien, yon problème mental. Moun sa gen sa relé, yon trouble mental, yon maladie mentale. Gen de moun nan, ouè moun nan pat kon fimel, te rentre nan fimel, bel te kon fimel te kite, gen de moun nan depo la fimel la bo, met konen, gen problème. Surtout, gen de moun nan gen lèl gen maladie mental, lèl stable lèl pa fimel pa bo, et bien, si tout si te kon fel, ou bien te reme fel, pendant le malade, ou la tout, ah, même pour filmer, elle va sentir gen goul, va sentir gen vie. Moun nan la utilise drogue. Moun nan senti li confus, le confus si son fi. Li senti li irrité, en colère tout le temps, ou bien li critique. Moi même pas. Li gon un sentiment de peur. Hein? Donc, et moun nan ki kon ap di sa, li gon psychose de peur. Certaines fois, pour proche malade, kon vini, kon ap vini. A di sa, oh docteur, li gon psychose de peur, tout en le peur. Hein? Ou bien son monde tout le temps qui a bataille, à famille, ou bien qui a crié. Pourquoi? Hein? De l'eau a coulé dans gel, ou bien, moun a crié, non, ma Dieu, ma fait ça! Il a crié sous famille. Ou bien, moun a gagné des sautes d'humeur tout le temps, qu'on y a été bien propre, après ça, il est excité. Tout ça, c'est des signes de santé mentale, mes amis. Des monde qui gagne, ils ont idée tout le temps. La pensée, ma voix, rien. Moi, avenir noir devant. Hein? Bah ouais, avenir, bah ouais. Vision pa wè rien. Wè moun nan li tan de vwa, ou bien li wè des moun ki te mouri deja, y a vin pran, y a manje, yo rayil. Hein, nou wè se des bagay ki tipik de culture nou. Ah, mais c'est pour ça, majorité population ki maladie mentale, mais assez souvent, ki preuve ou gen que c'est manje a manje. C'est même jan pa gen preuve que le problème mental la, c'est même jan pa gen preuve que c'est manje a manje. Ah, donc là gen des bagay ki évident son mal y a fait. Il y a des bagages qui sont évidents, tout son problème mental qui est tout. D'accord? Pour nous comprendre, eh bien, les gens qui sont capables de faire des séries de tâches, de travail qu'ils ont fait d'habitude, mais ils ne sont pas capables de vivre, ils ne sont pas capables de prendre soin de petit, de prendre soin de tête, etc. Eh bien, les gens sont les gens qui font face à ça que nous relayons, maladie. OK? Donc, comportement qui est capable, vu que face à tout, il y a problème ça que nous avons fait face, eh bien, c'est ce que nous avons dit dans la tête, nous, eh bien, qui comportement qui est capable, aider et bien gérer une bonne santé mentale. Et mes comportements qui soutiennent une bonne santé mentale, selon la science de la médecine indienne, qui lui-même traitait de quatre aspects ou bien de modes pour que lui assurer une bonne santé, la caillou, et bien, premier bagage, c'est la nourriture. Nourriture, manger, mes amis, c'est l'aspect qui est plus important dans la vie. Nous. Parce que assez souvent, français ado, on est ce qu'on mange. Eh bien, puisque ça nous mange, c'est l'inouye, eh bien, l'important, l'impératif, je ne veux dire, pour nous gérer, ça nous mange. OK? Deuxième bagage, on gagne la routine. Ou encore, qui est le viara, non? Et médecine indienne. Le bon loisir, là, c'est qui ça que vous gagnez comme routine, comme activité. Qui ça qu'on gagne comme passe-temps? Et mais l'important journée jeudi hein, et mais ça qu'on gagne comme loisir là, qui ça? Comme loisir, c'est important par exemple autant qu'on est capable surtout dans moment confinement ça pour nous faire exercice, pour nous faire promenade. Ça y a aidé nous en santé en pile. Nous songe longtemps hein, dès qu'on a regardé mon yo surtout grand mon yo, depuis il fait 4-5 heures de l'après-midi, soleil a baissé tant que j'en ai là, et mais ouais mon y a fait dimanche dans zone bon la caillou. Pour gérer santé. Mais nous-mêmes, les jeunes qu'on a, les bouts des jeunes ont commencé à arriver dans le niveau, ils disent, objectif, c'est acheter une machine, c'est acheter une moto. Ils ne vont jamais marcher dans la ville encore. Non, songez que marcher, son déterminant qui est bon pour santé, vous faites exercice. Mais deux, loisirs, c'est la marche et la promenade. Mais il y a ces composantes qui sont plus importantes de loisirs. Il y a la musique, il y a on regarde des histoires, on regarde un film, etc., yoga, etc. Il y a tout important. Mais ça, c'est important. L'autre bagage qui est important, encore troisième élément, c'est la bonne routine. Nous, nous avons déjà dit, il faut qu'on ait une routine au quotidien. Il faut qu'on ait des gens, chaque jour, vous ne pouvez pas parler de routine, par exemple, de vous avez trois types d'activités. De vous avez trois types d'activités, non, il y a une journée, côté que, ou, par exemple, moi-même qui l'a,
qui c'est un médecin, et bien m'aller dans la clinique, moi, à aider des séries de patients qui ont des problèmes mentaux, moi, aller dans l'université, m'aller dispenser des cours pour des étudiants, que ce soit infirmières, médecins, etc. La faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières, entre autres. Et moi, j'ai une famille moi, pour que moi gère. Ça, c'est déjà trois activités. Et nous, on est déjà question de tout le monde pour gérer. C'est bon, mais ça fait. Le monde qui parle. OK? Eh bien, si vous avez déjà trois activités, ça, yo, sans compter gestion de la maison, etc. Vous avez déjà une quantité d'office pour faire. Dans le monde, dit dans mon créole, là, pas avant. D'accord? Eh bien, tout ça, vous pouvez gérer. Eh bien, temps. Eh bien, pour le faire, vous pouvez même moi journée en passé. Tout ça, c'est routine que vous avez. Eh bien, là, moi-même, moi, pour m'ajouter loisir là-dedans, tel que regarder un bon film pour me distraire, ou bien entendre des musiques, yoga, sport, man, la manche, etc. OK? Et quatrième élément, mais qui est capital, c'est qualité de type de pensée. Malgré bien tout ça, pour me gérer, pour me faire, mais qui qualité de pensée que m'a cultivé dans ma boîte crânienne, moi, dans le cerveau. Eh bien, c'est le type de pensée positive que je dois cultiver. Parce que tout autant cultiver des pensées positives, c'est tout autant eh bien, en bonne santé. Parce qu'il y a un monde qui cultive des pensées positives, ou là, c'est pour observer une certaine pratique qui saine, eh bien, ou à assurer une vie quotidienne eh bien, qui est heureuse et saine. D'accord? Songez ça, mes amis. Ça, nous manger, c'est du nouillet, il faut que nous mangions bien. Ce n'est pas junk food, ce n'est pas comida rapide. Pour les gens qui sont dans les pays étrangers, ce n'est pas aliment processé, mais c'est plutôt, eh bien, pour les gens qui sont en Haïti, ce n'est pas back fritaille. OK? Ce n'est pas petit croque en bouche, non, mais c'est manger sérieux. C'est manger lourd. De vous manger, manger lourd, quand manger 2 à 3 repas par jour, vous avez kembe. D'accord? Et routine et pensée. Ceci dit, eh bien, pour une bonne santé mentale, eh bien, capacité primordiale, là, c'est équilibre. Faut nous chercher équilibre, mes amis, dans tout ça, nous fait dans la vie. Pour nous qui aimons nous en équilibre, eh bien, pour une bonne santé mentale, eh bien, qui ça, faut un bon équilibre dans la vie, dans différents aspects qui sont dans la vie. Et différents aspects, ça, c'est qui ça que oui. Eh bien, différents aspects, ça, c'est social. Comment ou socialiser, comment entrer en contact avec l'environnement. Ça, capital est important, mes aïeux, je ne veux dire. Parce que quand il est jeune, eh bien, ou entrer en relation avec les amis, eh bien, pour eux-mêmes, c'est juste pur intérêt. Ça va dire, mais non, c'est capital, c'est primordial. J'ai encore socialisé. L'autre bagage qui est important, eh bien, c'est physique. Donc, il faut avoir un équilibre physique. Il faut que vous fassiez du sport pour qu'il y ait une bonne santé. Ça, capital. L'autre élément, c'est mental. Quel type de pensée vous cultivez dans la boîte ça? Parce que c'est lui-même qui est source de tout mal, nous, en même temps. Pendant que c'est source de bien, nous, c'est source de tout mal, nous. Comment nous gérer le chaque jour? OK? Du point de vue économique, qui moyen économique, qui accès qu'on gagne? Est-ce que vous avez un petit travail pour permettre ou faciliter ou offrir toutes son nécessité? Parce que vous avez son nécessité, qu'est-ce que vous avez son désiré? Ce n'est pas forcément nous capable d'offrir tête nous ça nous désirer, mais nous devons offrir tête nous sa nécessité. C'est dans le cadre de ça nous avons que eh bien, tout pays sérieux, que ce soit Trudeau et pour Canada, que ce soit et Macron pour France, que ce soit Trump pour États-Unis, eh bien, ouais, y a bien de l'argent, eh bien, moun sa yo, sa yo, l'income tax, y a bayo. Pour qu'il y ait des dieux sous quantité l'argent qu'on a pour aider au chita la caillou, accompagner parce qu'on connaît au besoin des produits de première nécessité. Il faut qu'il y ait l'argent si on pas le travail pour que yo joue une accessibilité à qui. OK? Ceci dit, il y a des périodes dans la vie, nous, eh bien, il y a des éléments que nous sommes capables de remettre en question. OK? Moi, par exemple, je n'ai pas étudié dans un moment. Mon au niveau professionnel qui perd du job, qui perd des séries de. Situation que vous avez gagné dans la vie familiale, garçon, madame, ne mettez le dehors parce que le bac à coûter, etc. Tout ça, c'est des difficultés, des défis qui font nous remettre en question, eh bien, situation que nous avons vivre, vie nous, équilibre mental nous, et qui compte permettre nous balance, nous balancer, soit pour que nous down, soit que pour que nous au top. Eh bien, l'important, que l'est capable, très pertinent,
eh bien, pour que nous questionnions ce changement qu'a fait dans la vie, nous, qui pourra favoriser un équilibre dans la vie. L'autre bagarre encore pour nous finir qui est important, c'est spiritualité. Nous aimons toujours parler de lui. Comment connecter ou son croyant, son... L'important, ce n'est pas venir joindre nous dans la religion. Écoutez-moi, Jéhovah, il faut venir joindre nous. Et que ou baptiste, il faut venir joindre nous. Ou catholique, il faut venir joindre nous. Ou pentecôtiste, il faut venir. Non! Du moment que moi senti mal à l'aise dans la religion que m'y am dans paume, c'est ça qui est important. Parce que si vous m'avez que nous clair, nous tout observons un être suprême, un bon Dieu, que nous est le Jéhovah, que nous est l'Allah, que nous est le Jésus, que nous est le bon Dieu. Nous tout observons un être suprême qui dépasse. À moins que vous athée ou pas prenne rien. Vous êtes scientifique. OK? Mais l'important, mes amis, pour nous gérer émotion, nous, comment nous relationner avec l'environnement, nous, avec la famille, nous, avec l'entourage. Ceci dit, il y a une série de facteurs qui influencent la santé mentale. Il faut que nous connaissions pour nous capables de connaître comment pour nous booster la eh santé mentale nous, et comment pour nous slow down pour que nous augmentions, pour nous mettre l'auto. Mais il y a une série de facteurs qui est affecté, c'est biologique. Assez souvent, on doit faire depuis nos gènes ou la caillou, et bien fait avec des conditions qui font développer une maladie mentale. Eh bien, facteur ça, on pas qu'à toi agir sous lui. OK? Donc, on est capable de gérer ça. Comment on est capable de gérer ça? Eh bien, si vous avez un monde qui a un problème mental, même avec vous, eh bien, évitez de faire petit avec parce que constat ou avez réduit la probabilité pour faire des petits monde qui ont un même problème avec vous. C'est le même exemple avec anémie falciforme. Ou quand on a un monde qui souffre d'anémie falciforme, ou pas qu'à l'aimer avec ou faire petit avec pendant qu'on fait anémie falciforme, qui va augmenter la probabilité que nous fassions des gens qui cyclènent. OK? L'autre facteur qui affecte la santé, nous, eh bien, c'est le facteur personnel, tel que qualité, habitude, mauvaise habitude que nous gagnons. Et bonne habitude, tout bien sûr. Estime de soi, comment on est tête, qui qualité expérience ou faire dans la vie, hein? Qui sont vivent dans la vie, moi qui vivent traumatisme sur traumatisme. Par exemple, dans le passé, moi, j'ai rencontré, eh bien, patient, ça me donne une chance à accompagner, parce que je n'ai pas ou faire dans la vie. Sont chanceux. Et me donne une chance d'aider un monde comme ça. Qui perdu deux mondes dans la ville? Maman mourir aujourd'hui, hein? Marie mourir demain. Ça veut dire, d'ici 1 semaine à 2 semaines, il y a deux séquelles à pousser pour le mener dans le cimetière. Comment imaginer au monde sa vivre situation, ça? Comment imaginons qu'il y a un impact ça gagne sur la santé mentale de ça? C'est un monde qui a perdu tête à vivre. Monde ça qui passe de 100 mamans qui étaient accompagnées, le dame ça, à petite pour lever son mari. Et on imagine nous pour couronner le tout pas de travail. Donc, on continue à facteur pour nous. Ouais, mais facteur physique, que ce soit côté que le tape vive là, et bien le tape paye, qu'on y a là le pas de travail, on est obligé de mettre le dehors. Qualité quartier qu'elle t'a vive, eh bien, elle t'a vive dans un quartier qui plus ou moins favorisé, libre descend dans un quartier défavorisé parce qu'elle n'a pas de moyens encore pour continuer, hein, qu'elle veut vivre, j'en ai qu'on vive là. OK? Et l'autre élément encore qui est important, eh bien, c'est l'environnement social là. Qualité de relation, eh bien, le monde n'était capable de compter sur lui, la famille, il finit perdu. Zanmil, si son monde qui était déjà pas de zanmil, et son mari, elle était compté toute ville. Dans la communauté que la vive, la monde qui peut accompagner, etc. Tout ça, yo important, yo capital dans santé mentale, nous, pour que nous gérer. Pendant que nous tenions à minimiser, mais je dis à nous, yo capital, yo important, yo déterminant. L'autre bagage, encore l'autre élément qui est important, eh bien, c'est l'environnement économique. Quand nous prenons exemple sur là, donc dans la condition de vie, nous, est-ce que nous gagnons accès au travail, etc. Tout ça, yo important, mes amis, pour yo déterminer qualité de santé mentale que nous gagnons journée aujourd'hui. Et n'a pas que si image ça que mettez là, eh bien, qui dit que une bonne routine quotidienne, la marche, hein, pour faire quelques kilomètres à pied, hein, faut qu'on ait une heure de sommeil, par exemple 8 heures minimum de sommeil pour que vous ayez un sommeil qui est stable, hein, faut qu'on boive au moins 7 verres d'eau. Mais nous sommes là, nous avons un petit peu de temps pour parler à mon côté, hein, pour boire un petit peu à chaque instant. Okay? Et tout, il faut que nous mangeons des fruits et légumes, faut que nous fassions une petite méditation au chita, hein, ou loin, ou
éloigné de problème de la vie. Faut qu'on ait une petite pause. Des minutes de détente. Oui, il y a un sport, des minutes de détente. Vous capable toujours faire sport, mon loisir, je suis en de musique. Vous avez loisir, c'est la manche qui peut faire les différents sports, etc. Oui, au moins trois repas par jour, mais des repas lourds pour ne pas sentir grand goût en compte. Non, pour capable d'avoir environ hein, 2 heures sans téléphone hein, avant. Donc, pour bon, nous avoir une idée de comment pour que nous gérer la santé mentale, nous, les affaires nous afficher là. Imaginez, nous va mettre au sang, nous mettons pour capable de remarquer, mais qui importance dans sa affaire que les gagnants qui font nous porter le barreau, je ne sais pas. Donc, pour finir, nous partageons avec vous quelques mesures. Mesure ça y est qui pourra aider au gérer, qui pourra aider au cultiver en bonne santé mentale. Une première mesure pour que nous adopter, eh bien, c'est adopter de bonnes habitudes de vie. Donc, qui ça? Faut manger bien, faut qu'on dorme bien, faut qu'on gagne un temps d'exercice, faut qu'on réduise son alcool, si on boit, fume, utilise des médicaments tout le temps, il n'y a pas bon pour santé. Deuxième bagarre, il faut qu'on gère les réseaux sociaux. Et mes réseaux sociaux, ça, c'est pas réseau, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., que nous, on a utilisé pour rentrer là, quand nous, là, pour partager l'émission. Non, c'est pas ça. C'est famille qui boit côté là, comment vous relationnez avec elle. Mari, au ménage, ou soeur, frère, maman, papa, etc. Donc, il n'y a pas bon pour vous. Donc, ça qui arrive, que en famille, tout est poison dans la voie. Éloignez-vous de lui. Parce que le monde, ça, n'est pas bon pour bonne santé mentale. Ou pas kakembe dans une relation. Ou bien, doit dire, mon qui religieux dit non et que ça m'a pourni à pas bon. M'pas dou si son remel, m'pas dou si son edel. Mais sou ka vivre dans deux cas, mon sa pendant ap edel, ou ete moins en présence, si, c'est tant mieux qu'on sa va passer plus de temps en santé. L'autre bagay qui est important, ok, l'autre point c'est diminuer le niveau de stress. Le capital pour nous être image ça que nous mettons là, mais c'est dans la situation ça moi-même comme une femme professionnelle que m'y est. Ou gagne temps pour m'bay dans clinique moi gagne temps pour m'bay dans la vie pam qui aspiration qui projet que m'gagne moi gagne temps pour m'bay pour préparer émission ça pour me shooter pour que mettre le disponible pour là pour me venir la caou là pour me faire live là moi gagne net pour me faire etc. Donc ça comprendre donc tout ça yo moi gagne net pour me faire pour me faire travail pour me faire petit comme ça pour capable faire net là pour capable faire live là tout ça c'est des stress dans la vie. Et stress ça yo, et bien faut m'arriver gérer même j'ai une dame ça, gien computer ça que nous chita n'a regarder le DM, n'a gien téléphone non, gien temps pour ma famille moi etc. travail pour me lire petit message nous pas écrire me sur live Facebook là etc. pour me répondre nous tout etc. Donc tout ça on va le faire que et bien moi arriver gérer un climat positif surtout au travail parce que là me considérer ça à partir de jeudi c'est travail moi m'a faire comme médecin psychiatre, m'a sensibiliser nous sur santé mentale non et m'a fait ça ou les préventions parce que grand équipe monde m'a recevoir dans clinique moi et que monde ça yo c'est des monde que s'il te bon bonne prévention il était qu'à venir joindre moi à temps ça c'est une chose donc là ça va pas trop triste m'a bien plus marge d'action il était qu'à venir joindre moi dans l'autre situation OK il pas présenter maladie mentale donc en façon pour dire nous que tout ça que nous capable prévoir à travers travail ça que n'a faire ceci étant dit. Qu'est-ce que nous sommes apprendre avec à travers slide ça? Eh bien, nous sommes apprendre qui ça qui la santé que nous te voyons déjà surtout pour monde qui fait rejoindre nous là. Nous sommes apprendre ça qui la santé mentale. Nous sommes apprendre hygiène mentale. Qui ça qui aurait les hygiène mentale? Nous sommes apprendre eh bien ça qui relève des signes de mauvaise santé mentale. Qui le que ou dans situation pendant que pourquoi une maladie mentale? Qui le ou en mauvaise santé mentale? Eh bien, il y a des signes que nous te voyons ensemble. OK, nous sautons ensemble et bien signe de maladie mentale qui signe qui de pouvoir gagner ou la ca ou gagner maladie mentale gampil nan nous qui pas conscient de ça et c'est un des plus gros problèmes les que mon a venir kay psychiatre contrairement à toute l'autre spécialité médicale yo et bien il pas conscient en pile fois de problème ni en ça souvent les mandé pour ta qui sont venir journée jeudi a monsieur que sont élevé la ca oui pas moi même t'a venir et que comme psychiatre mal ou psychiatre ah non m'pa konn pou ki sa m la non. Mande moun ki menem nan, etande m tande yo menem ya menem ka dokter, m tande m devan psikyat. E men le konsa m obije al mande prochan. Pou m gon istwa de maladi moun nan. E pou finir, nou sot apren nou la, nan dernye slide yo, mezyo pou adopte pou jere bon santé mental ou, sou se nan mando apantir de jodi a, sonje yo,
partager yo, parce que c'est ça m'a fait là, de apprendre yo, pas qu'il y ait beaucoup de monde partager yo, partager l'environnement, et sous l'environnement, là, monde qui est dans l'entourage, ou est-ce qu'il y a des signes de mauvaise santé mentale, pour pas même dire maladie mentale, accompagner le, mais si c'est maladie mentale, mener le spécialiste, parce que puis bonnet, c'est grand matin. Autant que nous venons, puis bonnet, c'est autant que nous avons suspendu avec question, ça l'a posé, donc là, est-ce qu'elle a guéri et qu'elle n'a jamais eu maladie sans encore. Autant nous venons plus bonnes, c'est plus probabilité que nous guérissons. Mais autant nous venons plus tard, c'est probabilité pour que nous traitions et nous guérissons. Sur ce, nous remercions qui t'ont suivi rubrique ça avec nous, émission ça avec nous. Ce qui c'est image, qui c'est une émission, côté que nous invitons à venir apprendre qu'on est sans santé mentale, à venir apprendre à comprendre comportement et comportement entourage. Sur ce, Namjo, déjà bon après-midi, bonne soirée. Moi, je remercie nous parce que nous avons branché épisode ça, sujet ça, je dis. Hein? Et Namjo, déjà, prochain thème, eh bien, c'est santé mentale, coronavirus et santé mentale. Namjo, bonne soirée et à samedi prochain pour le prochain épisode. Non, Pam, c'était docteur Marie-Ange Jean-Fils, médecin psychiatre. Spécialiste de la douleur, qui t'est poté, émission ça, la caillou, journée jeudi.